Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Je vais répondre à une question qui m'est posée. Si au cas où ma banque venait à te demander de partir, vers quelle banque irais-tu et quelle néobanque solliciterais-tu si tu souhaiterais y retourner après que ma banque t'ait demandé de partir? Eh bien, on voit ça tout de suite. C'est parti, on y va. Il faut savoir que j'ai rouvert un compte chez Manabank il y a à peu près environ 3 semaines, qui m'a été notifié par email comme étant un refus, et auquel les conseillers que j'ai eus tout dernièrement m'ont dit que ce document n'était pas valable, puisque le compte est ouvert, que je ne devais pas y prêter attention. Donc ce compte il est ouvert, je dispose donc d'une offre unique plus à 9 euros, qui m'apporte donc la gratuité des paiements, que ce soit en France ou hors France, et qui m'apporte la possibilité de déposer des chèques et du liquide. Je peux aller jusqu'à 3 à 4 dépôts par an, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et je peux aussi avoir des assurances voyage selon la carte bancaire que j'ai donc choisie. Et cette carte bancaire, c'est la carte bancaire Visa Platinum, qui est la plus haut de gamme chez Manabank, qui auquel j'ai donc décidé de prendre cette gamme de cartes pour en faire déjà un premier test. Mais ce premier test s'est mal passé puisque tout simplement Manabank, les conseillers que j'avais donc eu, voulaient m'annoncer que tout simplement il fallait 8 à 9 mois pour avoir des options, avoir des plafonds élevés et avoir le panel de la banque pour être tout bien dans cette banque. Cette partie, quelques jours là, le jour où je vous fais cette vidéo, j'ai eu 3 ou 4 conseillers qui m'ont contacté. Bien évidemment, ils m'ont contacté pour savoir pourquoi j'avais réouvert un compte. D'autres m'ont contacté pour suite au message que je ne sollicitais plus clôturer mon compte, puisqu'une demande de clôture était en cours. Et une dernière qui était mandatée par Monobank, puisqu'elle a redécouvert que j'avais eu un compte en 2022, a donc pris le temps de me demander pour quelle raison j'ai réouvert un compte chez Manabank et qu'il m'a été accordé. Personne qui s'occupe tout spécialement des ouvertures de compte. Eh bien, j'en suis en compte principal. Les options que j'apprécie chez Manabank, c'est bien évidemment de pouvoir utiliser le DAB du Crédit Mutuel ou du CIC. CIC auquel on ne peut pas changer le code PIN. Ça a changé depuis maintenant 2 ans. On ne peut plus changer le code PIN sur les DAB du CIC. Il faut passer directement via les DAB du Crédit Mutuel. Eh oui, et pour déposer des chèques et du liquide, eh ben ça se fait via les DAB du Crédit Mutuel et du CIC. L'un ou l'autre, si vous avez une banque CIC près de chez vous, vous pourrez donc aller consulter votre compte, faire des dépôts de chèques, des dépôts de liquide. Voir tout simplement le RIB. Si vous devez avoir un RIB, vous pourrez en retirer un via le DAB du Crédit Mutuel ou du CIC. Vous pourrez donc tout simplement faire en sorte de faire des virements bancaires au cas où auquel votre application ne fonctionnerait pas, ou vous n'êtes pas à la maison et votre téléphone ne dispose plus de batterie, et puis que vous devez faire un virement, vous pourrez le faire. Donc avec Manabank, je suis pleinement satisfait pour l'instant de ces options. Un service client qui est parfait sur tous les points, qui j'espère que cette année sera encore élu une fois meilleur client de l'année. Car même avec quelques petits désagréments, Manabank n'est pas une si mauvaise banque. Manabank, je la conseille plus en compte secondaire pour celui qui a déjà sa propre banque, qui dispose déjà du meilleur de la banque en ligne, c'est-à-dire Fortuneo ou encore Boursorama. Je dirais qu'un complément Manabank serait une excellente banque pour lui compléter ce qu'il désire en compte multibancarisation, auquel des offres de 2 euros à 9 euros sont en proposition chez Manabank avec des cartes 2 fois moins chères. Une carte Platinum à 9 euros et une carte Visa Première à 3 euros. Bien évidemment, vous payez la tenue de compte, vous payez la carte bancaire, mais au moins, vous avez 2 fois moins cher que dans votre banque traditionnelle classique. Et une Visa classique offerte, ainsi qu'une Visa à contrôle de solde offerte. Je précise que toutes ces cartes sont à contrôle de solde,
Depuis quelque temps maintenant, ma banque a passé toutes ses cartes à contrôle de solde. Mais comme vous pouvez l'avoir dans certaines banques et banques en ligne, et le banque et ma banque disposent encore du GoBadge. GoBadge réseau CB, auquel vos cartes en France passeront par le réseau CB. Avec les cartes de chez ma banque, vu que vous désirez peut-être prendre la Visa Première ou la Visa Platinum, qui sont les plus convoitées, ainsi que la Visa Classique, je le répète, vous aurez donc du quasi systématique. La partie carte à contrôle de solde, je ne sais pas si elle dispose d'une partie offline. Je ne l'ai pas utilisée, je ne l'ai eu que très peu. Et en 2022, je ne vais pas tester la partie terminal de paiement en offline. Donc, je sais que toutes les cartes à partir de la Visa Classique jusqu'à la Visa Platinum, vous serez donc en quasi systématique. Même si vous avez le fameux GoBadge à l'étranger, vous passerez facilement grâce à une petite partie offline qui est de 50 à 100 euros, 200 euros. Plus vous y mettez d'argent, plus l'offline est conséquent. Voilà. Pour la station essence, j'apprécie tout particulièrement car c'est comme chez Boursorama, ce sont les plafonds de la carte bancaire qui sont visités et non le côté préautorisation. Donc, si vous devez prendre de l'essence, ma carte de chez Manabank consulte vos plafonds. Si vous avez les plafonds nécessaires, ils vous feront prendre de l'essence. Mais si vous n'avez pas les plafonds nécessaires, vous ne pourrez donc pas prendre de l'essence. Alors, donc, si ma banque devait tout simplement me demander de quitter leur banque suite à un petit malentendu entre nous, ou bien tout simplement ma banque a pu s'apercevoir que des choses que je faisais sur le compte n'étaient pas à ce que propose ma banque, et me demandait donc de quitter cette banque. Ou bien tout simplement je ne désire plus car ma banque ne m'apporte plus ce que je désire. C'est un exemple. C'est pas concret pour l'instant. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, c'est juste histoire de l'avenir qui me dira si ceci va se passer. Avec ma banque, si tout ceci devait arriver, la banque que je convoiterais et qui je pourrais tout de suite y mettre mes ressources, mes revenus, pour ne pas attendre, car je suis multibancarisé. Ça ne serait plus une banque traditionnelle classique. Certes, je n'y mettrai plus jamais les pieds dans une banque traditionnelle classique. Ça ne serait certainement pas une banque en ligne, car après ma banque, bien évidemment, je ne souhaiterais plus retourner dans une banque en ligne, les ayant déjà toutes testées, même si je dispose de Boursorama. Ça ne serait pas cette banque-là. Bien que Boursorama, je pourrais tout de suite y poser mes revenus de suite, mais si ça serait pour terminer comme la façon de ma banque qui me demanderait de quitter la banque ou je ne solliciterais plus m'insérer chez ma banque, je partirai directement dans la fameuse néobanque, la fameuse néobanque, la fameuse fintech. Et oui, la fameuse fintech, celle qui m'apporterait la proximité, surtout la proximité, car maintenant on le sait, on a encore besoin de cette proximité, surtout que quand on a quelques euros en poche, de pouvoir les déposer sur le compte en banque. Même si le dépôt de chèque, même si le chèque est de moins en moins utilisé, le chèque revient peu à peu. On le voit car certains utilisent encore beaucoup le chèque. Les agences intérim peuvent encore payer par chèque, toutes parties peuvent encore vous fournir un chèque. Alors pour ma part, moi je serais ravi de reprendre un compte chez le compte Nickel. Et oui, le compte Nickel que je convoite. Car j'ai certains de mon entourage, certaines personnes de mon entourage qui utilisent le compte Nickel, qui en sont pleinement satisfaits. Compte Nickel, la proximité d'aller chez le buraliste récupérer la carte bancaire, ou depuis le début mai, la possibilité de pouvoir commander la carte bancaire depuis Nickel. Et oui, depuis le site Nickel, maintenant Nickel vous propose soit de vous rendre chez le buraliste si vous avez le temps de vous rendre chez le buraliste, soit tout simplement de commander sur Internet l'offre qu'il vous convient, puisque maintenant vous êtes libre de choisir l'offre qu'il vous convient. Si vous ne sollicitez pas aller chez le buraliste et ensuite commander l'offre, vous pouvez tout commander chez vous et attendre 5 à 10 jours pour recevoir la carte bancaire. Et c'est ça que je convoite au cas où Mana Bank ne serait donc plus en ma faveur ou que Mana Bank me demanderait de quitter cette fameuse banque.
Pourquoi le compte Nickel? Ben, tout simplement pour avoir un service client par téléphone, car par chat, on peut y passer des heures et on peut y passer un temps fou à attendre la réponse. Et avoir la réponse de suite par un conseiller direct par téléphone et régler les affaires par téléphone, c'est plutôt pas mal. De pouvoir déposer du liquide et de pouvoir retirer du liquide via le buraliste, ça nous rappellera que tout simplement on pouvait déposer du liquide via les DAB et on pouvait retirer du liquide via les DAB. Voilà. Alors, l'offre qui me serait bien pour moi si je devais dans l'avenir partir chez le compte Nickel, ça serait bien évidemment l'offre Chrome à 55 euros. L'offre Chrome à 55 euros avec sa carte Chrome, ses assurances voyage dignes d'une Gold Mastercard tout ou presque, comme ce veut le compte Nickel, d'avoir des frais moindres de ce que je peux avoir directement dans une banque traditionnelle classique et économiser 60 à 80 euros par an. Même si je sais que ma banque m'apporte quasiment le deux fois moins cher que dans la banque traditionnelle classique, auquel avec l'offre Unique Plus, je n'ai plus besoin de me soucier des frais, si ce n'est que de les frais cachés que la banque peut proposer, eh bien, si au cas où je devais quitter ma banque par la demande de ma banque ou par le souhait que je ne sollicite plus être chez ma banque, eh bien, tout simplement, la réponse, c'est que je choisirai le compte Nickel en compte de FinTech. Voilà. Avec ce que va proposer le compte Nickel, nous allons avoir, pour la rentrée qui se précise, les fameux comptes épargne qui seront peut-être sous compte de tirelire, soit sous compte, soit sous des coffres comme le faisait le compte Revolut il y a quelque temps avant même de sortir le compte flexible. Voilà, donc ça devrait arriver dès le courant de la fin d'année chez le compte Nickel. Alors donc pour moi, j'aurai une bonne place chez le compte Nickel avec toutes ces avancées du compte Nickel. Voilà. Donc vous savez tout, j'espère avoir répondu à cette question qui m'a été demandée. Si au cas où ma banque devait te demander de partir ou bien tu sollicitais partir de ma banque car tu n'y trouves plus ton intérêt, vers quelle banque irais-tu ou quelle néobanque ou fintech partirais-tu si tu souhaites retourner dans les banques néobancaires et fintech? Eh bien, tout simplement, je vous ai cité, c'est le compte Nickel auquel je le convoite de plus en plus car le compte Nickel prend plus d'ampleur que Revolut et prend plus d'ampleur que le compte Sumeria ainsi que N26, car on voit beaucoup de personnes qui ont utilisé le Revolut, qui ont utilisé N26 et qui ont été chez Sumeria, retournent envers le compte Nickel. Et oui, le compte Nickel ne cesse de grandir via un bon grand nombre de clients qui commencent, pour certains, à quitter les banques traditionnelles classiques. Voilà. Et qui ne sollicitent pas se retrouver dans une banque en ligne, bien évidemment. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.